24 septembre 1812, entre Borodino et Mojaïk, les collines bordant la Moscova cachaient encore les armées en marche. Lorsque j'y parvins, je vis seulement le brouillard des marais mêlé aux âcres fumées de la poudre. Pourtant, je parcourus 10 fois le champ de bataille, portant les ordres de l'empereur. Et je chargeai la deuxième redoute, botte à botte avec Colincourt. Le soir du 7 septembre 1812, lorsque la nuit se fut établie, l'armée russe battit en retraite vers Moscou en laissant 50 000 morts sur le terrain. Les Français avaient perdu 35 000 hommes. Ce fut une victoire indécise.